Nous avons eu l'honneur de recevoir un témoignage historique, celui de M. Marcel Henry, ancien résistant de la Seconde Guerre mondiale. Son premier acte de résistance fut lorsqu'il était au poste de nuit. Au sortir de l'usine d'Infi, il distribuait clandestinement des tracts. Il nous raconte que lors de la relève, la méthode de l'occupant consistait à envoyer des jeunes travailler en Allemagne en échange du retour de prisonniers français détenus là-bas. Tout comme M. Henry, beaucoup de jeunes n'ont pas accepté le STO. Monsieur Henry a d'abord participé à la formation du maquis de la Fontaine du Bois, près de Poiseux, durant l'hiver 42-43. Puis, après avoir été arrêté et s'être évadé, de retour dans la Nièvre, il a combattu au sein du maquis des Bertranges, début 1943. Voici donc quelques extraits de l'intéressant récit de Monsieur Henry, qui nous fait partager des moments forts de sa vie de résistant. Le 7 avril 1943, on était désignés, trois camarades, à venir faire une expédition à Nevers pour une expédition punitive contre soi-disant un collaborateur qui avait fait de la dénonciation et tout. Il habitait rue du Fer. On est donc venu à Nevers et puis il était tellement gardé qu'on n'a pas pu l'approcher. On a rejoint d'autres camarades et on a décidé d'annuler l'intervention. Et sur leur tour, on a fait une rencontre fortuite avec un officier allemand rue de la Barre à Nevers. Et ça s'est solutionné par. On arrivait place Chaméane, l'officier il a voulu prendre son revolver. Moi j'avais le mien dans ma poche, j'ai tiré le premier. C'était le premier attentat à Nevers. J'en suis l'auteur, c'est peut-être pas une gloire parce que vous savez. Commettre un acte pareil, ça marque pour la vie. Ça, je m'en rappellerai jusqu'à ma mort. Enfin bref, on n'était pas des criminels, hein, mais c'était la résistance, il fallait se battre, il fallait se défendre. Le souvenir le plus fort, je crois que c'est l'arrestation. C'est ce qui m'a marqué le plus. Hein. Parce que vous êtes dans une action, hein, vous êtes d'une action, on dit bon, ben, on était libre. Hein, on était clandestin, mais on était quand même libre. Puis d'un seul coup, vous voir, j'étais blessé, j'étais passé à côté de la mort, c'est le cas de le dire, parce que c'est même incompréhensible qu'il ne m'ait pas. Qui m'est pas fusillé à bout portant. Hein. Il m'a tiré dessus à 3 mètres. Hein. Alors, passer à côté de la mort, puis après vivre les tortures, alors là, vous savez, ça marque. Hein. Ça, je m'en rappellerai jusqu'à ma mort. Le reste, comme on dit, c'est du courant. Hein. C'est la vie de la guerre, c'est la vie au maquis, c'est la vie. Mais enfin, la plus grosse impression que j'ai eue, douloureuse, c'était l'arrestation. Pendant 6 mois, à la prison de Nevers, j'ai subi les interrogatoires de la Gestapo. Je n'ai pas lâché et personne n'a été inquiété par la suite.
Alors donc, j'ai passé 10 mois à la prison de Nevers. De la prison de Nevers, j'ai été transféré au camp de Pithiviers, dans le Loiret. Et du camp de Pithiviers, c'était le 1er mai 1944. Je vous dis tout de suite une petite anecdote. Le jour du 1er mai 1944, il tombait de la neige. J'ai reçu un... J'étais déjà marié, je me suis marié en 1941. J'ai reçu un petit bouquet de muguet que ma femme m'avait envoyé et la neige tombait. Ça pouvait être paradoxal, mais enfin, c'est des choses qui marquent. La prison de Nevers a la forme d'une croix. Alors on était dans le corps nord, et à angle droit, il y avait le quartier des femmes. Alors on chantait des chansons, bon, on était jeunes, avant la guerre, on allait tous au bal, on chantait des chansons. Alors quand on était en panne, c'était les femmes qui nous reprenaient, alors pour copier ce qui nous manquait. Alors toutes les chansons qui étaient faites là-dessus, ont été faites avec l'aide des femmes, mais toutes de mémoire. Il y en a 134, je crois. Alors, elles sont toutes illustrées. Voilà, on vous donnera peut-être un petit peu de temps pour qu'elles le feuillettent à tout à l'heure. Oui, on va passer au dessin. Le pain que je vous parlais, l'ami, on l'attendait bien, puis on faisait un palais avec. Deux jours au soleil, elle était dure comme ça. Et puis nous aussi. Alors là, ces trois positions, c'était les water qui étaient dans le coin d'une cellule, parce qu'il n'y avait aucune intimité. Les water, c'était un espèce de vase à cette hauteur-là, on s'asseyait dessus, c'était comme un siège de water actuel, mais en béton. En béton, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien du tout, on avait un broc pour nettoyer derrière. Alors c'était trois positions jugées des plus pratiques, parce qu'on ne savait pas trop comment se mettre dessus. Bon. Alors... Par la suite, c'était un vieux copain, ça. Il avait un combattant de la guerre de 14-18. Il avait reçu une balle explosive dans le bras, il n'avait plus d'os, il n'avait plus que la viande. Et il l'avait arrêté comme communiste. Et c'est un philosophe, il faisait beaucoup d'écrits comme ça. Alors là, il lisait, on l'a reproduit. Alors là, c'est la partie de palais. Le pain que je vous parlais, l'ami, on l'attendait bien, puis on faisait un palais avec. Deux jours au soleil, elle était dure comme ça. On le raconte, vous le racontez un peu comment on fait pour l'île de Ré, revenir à Nevers. Ah oui, alors... du camp de la Couvre. Ouais. Parce que, mon Dieu, vous n'avez pas de voiture, vous n'avez même pas de vélo. Comment vous êtes débrouillé? Alors, comme je vous ai expliqué, quand on était au camp de la Couvre, vu les conditions de vie qu'on avait et de travail, on a dit, il faut qu'on sorte de là. On a donc décidé de s'évader. On a mis le feu au dépôt d'essence et on est parti. Alors, on est arrivé... Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le coin, c'est au nord de Royan. Et le phare de la Couvre, c'est une languette de terre qui redescend dans l'océan juste avant d'arriver à l'île de Ré. Et là, il y a un petit patelin qui s'appelle la Tremblade. Alors, il y a une rivière qui passe, c'est la Saudre. Et sur le pont, il y avait un monsieur qui était là. Alors du camp où on s'est évadé pour arriver jusqu'à la Tremblade, on a passé par les bois de pins qui étaient en bordure de route, enfin à 50 mètres, où on voyait les panneaux Hartung Minen avec la tête de mort et puis les deux tibias. Hartung Minen, Hartung Minen. C'est-à-dire quand il y en a un qui posait son pied, l'autre il posait le sien à la place quand on le levait. Vous voyez comment... Oui, attention, mine, c'est cheminée quoi. Hartung Minen, c'est attention mine. Alors, on est donc arrivé à la Tremblade, et là on a vu ce monsieur qui était assis sur le parapet, et on s'adresse à lui comme ça, on dit à cet âge-là, il est peut-être 70 ans, on dit,
il va peut-être nous aider. Alors, on commence déjà à dégrafer la veste bleue pour lui montrer qu'on avait l'habit rayé en dessous. Oh, il fait comme ça. Alors on dit, où c'est qu'on peut s'adresser? Alors, il dit, il n'y a qu'un endroit, c'est le café des sports. Mais il dit, je vous préviens, il est plein d'Allemands. Voilà. Alors la solution, où elle était? Alors on ne s'est pas dégonflé, on dit, on y va. Alors on est arrivé dans le café, il y a plein d'Allemands qui étaient aux tables, en train de déguster les bières et tout ce qui s'ensuit, les baïonnettes accrochées au porte-manteau. Enfin, on se dirige directement au fond, où il y avait la cuisine. La dame qui faisait la cuisine nous reçoit comme un chien dans un jeu de quilles, c'est le cas de le dire, elle dit, qu'est-ce que vous venez faire? Alors, on a encore dégrafé la veste. Alors elle nous dit, oh, elle dit, tout de suite dans le jardin, elle nous a envoyé dans le jardin, dans une cabane, et elle nous dit, vous m'attendez là. On est resté, mais on se demandait si elle n'allait pas nous donner, hein. On s'est posé des questions. Hein, hein. Ah, on risque le tout pour le tout, hein. On n'a pas... elle est revenue au bout d'un moment, avec un sac et puis des provisions, et puis elle nous a donné deux noms. Elle dit, vous allez jusqu'à Mornac, c'est un couvent. Elle dit, là, vous allez avoir toute la chaîne pour partir. Alors on lui a dit, on veut s'en aller sur la Nièvre. Elle dit, je ne connais pas. Elle dit, vous vous débrouillez. Elle dit, vous allez jusqu'à Mornac. On est arrivé à Mornac, on était reçus par des sœurs qui étaient là. Et puis de là, eh ben on a eu tout un itinéraire, tout un réseau jusqu'à Poitiers. On est arrivé à Poitiers et... Là, on était vraiment dans le désert. Hein. On ne savait pas trop comment faire. On s'adressait aux cheminots, à la gare de Poitiers, puis on dit, on veut regagner Tours. Alors, de Poitiers à Tours, c'est pas loin, mais enfin, il y a quand même 200 km, quelque chose comme ça. Alors, il nous a dit, il y a un train, là, mais il dit, attention, il dit, c'est du matériel allemand qu'il y a dedans. Tant pis. On est monté dans une guitoune qui assure le wagon de marchandises et qui servait pour serrer les freins. Hein? On est monté là-dedans. Le train est parti et on arrive à la gare de Saint-Pierre-des-Corps qui venait d'être bombardée. Il y avait des locaux partout dans le vent en l'air. Juste une voie qui avait été rétablie pour le passage du train. Et on s'est arrêté là. Alors, on avait attaché la porte de la vigie avec du fil de fer. Puis il y a quelqu'un qui secouait la porte pour l'ouvrir. On a défait le fil de fer, on tombe avec un Allemand là, qui nous regarde, il nous a parlé en allemand, on n'a rien compris, enfin, il nous a fait descendre, et puis là il y a un officier qui est venu, qui parlait français comme vous et moi, hein, et qui nous a demandé ce qu'on faisait là. Alors on y a raconté un baratin, on a dit on travaille pour vous, on avait une permission, on n'avait aucun moyen de transport, on a pris le premier train venu, mais il a cru, hein, et il a cru. Alors il nous a fait descendre, et il nous a dit, vous bougez pas, il dit, je suis le responsable du convoi. Il dit, si on vous prend, c'est moi qui dérouille. Alors, on n'a pas bougé. Mais au bout d'un moment, on dit, on va peut-être pas quand même l'attendre. on a pris nos jambes à notre cou, et puis on est parti sur Tours, de Saint-Pierre, il y a une quinzaine de kilomètres à peu près. À peu près, entre Saint-Pierre-des-Corps et Tours. Et à Tours, on est tombé encore sur un type là, qu'on soupçonnait être un policier, imperméable, chapeau, tout. Il nous suivait partout. On l'a entraîné jusqu'au bout du quai. On dit, là, ça va être sa fête. Et quand il est arrivé, on y a sauté dessus. Puis il nous a dit, je ne sais pas ce que vous croyez, mais il dit, j'ai vu que vous étiez... Il y avait quelque chose de louche. Alors on s'est expliqué, quoi. C'était un représentant en vin de Bordeaux. Il nous a pris deux billets pour venir jusqu'à sa caisse. Et on est arrivé à Saint-Caës, on a débarqué du train Saint-Caës, on est revenu à pied jusqu'à Fourchambault. Et voilà, et tout ça, ça a pris 3 jours. 3 jours. Quand on a formé le maquis des Bertranges, on était 350 à la fin de d'août. 350. Mettez-vous dans la tête ce qu'il faut comme marchandise pour nourrir 350 gars au milieu du bois. La marchandise à se procurer, à la préparer, à la faire cuire et la distribuer. C'était le gros problème de la résistance. Alors concrètement, ça se passait comment? Il y avait combien d'hommes qui étaient chargés de faire ça? Vous trouvez le débrouillet?
Il y avait à peu près 30-35 gars qui s'occupaient que de ça. Tous les jours, ils étaient partis pour récupérer du ravitaillement dans les fermes, enfin, où ils pouvaient. On avait un boulanger à Chaugnes, il travaillait presque que pour nous. On allait lui chercher la farine dans les moulins, on lui apportait la farine et il nous faisait notre pain. Très vite, c'est vrai que l'armée allemande est passée dans des réquisitions dans les fermes, le bétail, les produits fermiers, et tout ça, ça s'est ressenti dans la vie de la population, parce que ça partait d'un côté, c'était enlevé de l'autre, obligatoirement. Et tout ça a entraîné, vous savez, le système D, comme on dit, il fallait se débrouiller pour trouver quelque chose. Et puis, à la longue, ça a entraîné sur une chose beaucoup plus grave, c'est le marché noir. Je vais vous citer une embuscade que j'ai faite, par exemple, entre La Charité et Mève, où il y a le motel en ce moment, hein, c'était la forêt là, on a décidé d'intercepter les convois. On part la veille au soir, on s'est installé. Il y avait un gars tous les 10 mètres. Deux. Parce qu'il y en avait un avec un fusil et l'autre avec une mitraillette. Tous les 10 mètres. On était 35. Alors ça fait quand même une certaine distance. J'étais au début. Le convoi est arrivé de La Charité. Il y a eu une cinquantaine de morts ce jour-là. Ça fait du bruit. Hein. Ça a été cité d'ailleurs jusqu'à Radio de Londres. Quand le convoi est arrivé à ma hauteur, je l'ai laissé passer. Et quand j'ai vu qu'il arrivait à la hauteur du dernier gars, j'ai ouvert le feu. Et tout le monde a répondu en même temps. Ben là, j'aime mieux vous dire que ça fait du massacre. Hein. Quand il y a eu l'attaque sur le maquis Mario et Julien dans la région de Crulaville, là on a reçu des ordres pour tendre des embuscades sur toutes les routes qui arrivaient là. Et c'est là que j'ai perdu mon copain, là, à Sichamps. On a intercepté un convoi de munitions et le camion a explosé au milieu de la route. Et là on recevait des ordres de l'état-major. La fierté que j'ai, c'est de m'être battu pour mon pays. J'estime que j'ai donné un peu de moi pour la libération, pour la liberté de tout le monde, de mon pays. Puis bien d'autres peuples aussi. Hein. Enfin, j'ai apporté ma pierre, disons.